Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. Byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje kutuma abantu benshi bahunga abandi bagapfa hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mike cyane harabura amasaha gusangwa be yageze muri RDC ariko kandi mbere yuko haguruka ibingibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga ari kuvuga cyane cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afrika. Nanone yongeye aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Congo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. J'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Tuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Papa Rose TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze gufata inyakira amajwi zanyu aho mwaba muherereye hose, ushobora kuba uri muri Afurika ariho twumvira cyangwa ukaba uri muri Aziya, ushobora no kuba uri muri Amerika tutibagiwe no mu Burayi. Mwese ariho mutwumvira mbahaye ikaze bavandimwe, wewe mushyashya ushobora kuba ukigera kuri Paparazzi ngaho dukandire subscribe tuzikunda cyane nk'amata y'abashyitsi. Iyo uyikanzeho Imana ihita iguha umugisha mwinshi cyane. Kandi ikindi cya kabiri, uhita ubona uburenganzira bwo kujya ukurikirana amakuru yacu guhera saa 10 z'igitondo kugera hafi saa 6 z'ijoro, ubwo urumva ni uguhera saa 10. Ubundi twajyaga duhera saa 11, noneho ubu turahera saa 10. Nibwo rero mujye mba mumaze kwibyura, noneho ubundi dutangirana amakuru tuhatwike mpaka umunsi wose kugera saa 6 z'ijoro. Turihuse, ntabwo turi butinde, reka twinjire mu makuru. Perezida Macron mbere yuko ahaguruka mu Bufaransa yerekeza mu bihugu bya Afurika, imbere yabanje kugirana ikiganiro n'abanyamakuru batandukanye bo
gihugu cyo mu Bufaransa ari naho natwe twabonye kopi y'ibyo bimwe ibyo yatangaje noneho turavuga duti reka tuze tubisangize abataramu benshi mwumva n'igifaransa ndabizi gatanu kuri gatanu ndaza kuvuga make ariko we yenda araza kuba abibaganirira mu magambo ye yivugiye gusa icyo tuzi icyo nuko yabashije kuvuga ko ndetse yategetse M23 kugira ngo ihagarike imirwano ku gihugu cyo muri Congo ni ukuvuga ngo kuri kino gihugu cya LDC ni ukuvuga ngo aho yavugaga ati tumaze igihe kinini twingingira iyi mutwe guhagarika imirwano ku bitero igaba ku ngabo za FRDC ariko kandi bisa naho bavuniye ibiti mu matwi ntabwo bashaka kumva ibyo tubabwiye ikindi cya kabiri na Congo ubwayo igomba gukora ibishoboka byose ikayoboka inzira y'amasezerano ntabwo byumvikana uburyo iki gihugu gishobora gukomeza kirimo intambara mu karere kandi harimo ibihugu Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque, et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids deux mesures. La guerre dans l'Est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Byibumbiye hamwe mu muryango wa East Africa bakagombye kuba bakemuye ikibazo cy'iyi ntambara ikomeje gutuma abantu benshi bahunga abandi bagapfa hano muri Republika iharanira Demokarasi ya Congo ndetse Macron ateganyijwe kuza muri kino gihugu cya RDC mu minsi mike cyane harabura amasaha gusa ngo abe yageze muri RDC ariko kandi mbere y'uko haguruka ibingibi ni bimwe mu byo yabanjije kuvuga ari kuvuga cyane cyane ku ntambara zikomeza kugaragara muri Afrika nanone yongeye aravuga ati sinibaza ukuntu imyaka 30 ishobora gushira iki gihugu cyo muri gihugu cya Congo kitarigera gitekana n'umunsi n'umwe ngo numva ko habaye imitwe myinshi yitwaje intwaro muri iki gihugu ariko kandi nkibaza n'impamvu ki ibi mitwe idashobora gucika muri kino gihugu bikanyobera yakomeje avuga ati cyakora ibyo ari byose ibya mbere na mbere umutwe wa mbere tugiye guheraho tusaba guhagarika intambara ni M23 igomba guhagarikwa ndetse n'abayitera inkunga nabo bakabihagarika kuko nta mpamvu igaragara n'imwe M23 igaragaza irimo kurwanira ati byanze bikunze nzava muri RDC ndetse mbanjije kugerageza kuganira nabo bategetsi bose noneho turebe ikintu dushobora gukora kugira ngo intambara ihagarare iri muri RDC mu burasirazuba abantu benshi bakomeje guhunga yewe n'ubu ngubu turimo turakubwira aya makuru imirwano yo irakomeje muri za Sake ndetse na Masisi kuva mu gitondo imirwano yumvikanaga kandi nanone itigeje ibasha no kumva ngo hari imbunda ntoya wumvaga gusa zose wumvaga ari imbunda ziremereye cyane dore ko mu rukerera rw'uyu munsi nanone habonetse indege ebyiri z'igihugu cya RDC cyane cyane za kajugujugu nanone zagaragazaga ziri kumisha urufaya rwinshi
benshi mu birindiro by'ingabo za FARDC erega nubwo M23 iba ivuga ko niyo yabahagaritse imirwano ku ruhande rwayo ariko FARDC iranga igakomeza ibataka ahubwo bigasa naho iba yabonye imbaraga zo gukomeza kurasa kuri M23 ni kenshi M23 nayo ikomeza kuvuga yuko ishotorwa na FARDC igakomeza iyirasa rero yayirasaho nayo ikazanzamuka igatangira kwirwanaho dore ko bavuze ko batazigera batuza mu gihe icyo ari cyo cyose FARDC yakomeza kubagabaho ibitero ati byanze bikunze tuzajya natwe duhaguruka turwane nabo hashize iminsi turimo tubona inama simusiga zirimo zirakoreshwa na M23 wa propagande yo kugerageza bisubiza abaturage bose bari hano muri mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane muri Rucuru za Masisi ndetse na za Kichang aho hose hamaze iminsi ubona abasirikare benshi ba M23 bagenda bakubita abaturage ibipindi ndetse bagenda bababwira ko aribo bazabageza ku majyambere meza bifuza ndetse bakanabizeza n'ibitangaza n'ijuru ko bazarimanura rikaza hafi bakajya bivuganira n'Imana ku giti cyabo ni byinshi bababwira ubwo rero urabyumva yuko nabo rwose bakataje kuvuga gushira imbunda hasi nisakira irego kuri bo ngayo nguko rero reka dutegereze urugendo rwa Macron turebe nagera muri RDC ko hari ikintu ashobora guhindura nyuma yuko yabyemeje ari ataraza abaganira n'abanyamakuru hano mu Bufaransa niko bimeze rero reka wiyumvire nawe ibyo yatangaje ndabiza abataramu benshi bumva Francais ubwo mukomeze muyikurikirane genda hari gatanu kuri gatanu nkomeze mbakubite ikintu cyitwa ama episode y'amakuru. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque, et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler 2 principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. La guerre dans l'Est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. Et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les 2 présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa.